Bonjour, c'est Gigi. Bienvenue dans votre chaîne Le Français avec Gigi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la fiche de lecture d'Antigone, Tragédie moderne de Jean Anouilh. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence dans un premier lieu par un tableau d'identification qui comporte le titre, le genre, l'auteur, la date et le lieu de la naissance et du décès de l'auteur, la date de publication, la date de première présentation et autres œuvres du même auteur. On a premièrement le titre, c'est Antigone, le genre pièce de théâtre tragédie moderne, l'auteur Jean Anouilh, la date et le lieu de la naissance et du décès. Il est né le 23 juin 1910 à Bordeaux et mort à Lausanne le 3 octobre 1987. La date de publication de l'œuvre, c'est 1946. La date de la première présentation, c'est 1944. Et on a enfin autre œuvre du même auteur, c'est-à-dire autre œuvre de Jean Anouilh, on a Le Voyageur sans bagage, Le bal des voleurs et L'Alouette. Et maintenant, on commence la fiche de lecture d'Antigone. On a premièrement les personnages principaux. Ce sont Antigone, Créon, Ismène et Aimant. Après, on a l'époque. C'est l'Antiquité grecque. Le lieu, c'est le palais de Thèbes dans la cité de Thèbes en Grèce. Par la suite, on a le registre, le temps ou la tonalité de la pièce. C'est tragique. Ensuite, on a la vérification des règles classiques. Premièrement, on a le respect de la règle des trois unités. Concernant le lieu, on a un seul lieu. Le temps ne dépasse pas 24 heures. Et l'action, on a une seule action ou bien une seule intrigue, c'est enterrer Polynice. Concernant le respect de la règle de la bienséance, on n'a pas de scène violente ni de nudité sur scène. On passe maintenant au dénouement ou la fin. Le dénouement est tragique parce que la scène se termine par la mort d'Antigone, d'Aimant et d'Eurydice. Les thèmes, on a la solitude, les problèmes entre les jeunes et les adultes. C'est ce qu'on appelle également le conflit des générations. On a le bonheur, la famille, le devoir, etc. Puis, on a la fonction du cœur. Donc, le cœur représente parfois la conscience de Créon et parfois l'opinion publique et la voix du peuple de Thèbes. Et on passe maintenant au lien entre les personnages. On a Antigone, c'est la nièce du roi Créon. Ismène, c'est la sœur de la princesse Antigone. Créon, c'est l'oncle maternel d'Antigone. Et Aimant, c'est le fils du roi Créon et le fiancé d'Antigone. Et après, on a la notion de la fatalité, qui est très importante dans la compréhension du dénouement de l'œuvre. On a les personnages ne peuvent pas échapper à leur destin, qui est la mort. Donc c'est ça la fatalité, c'est ne pas pouvoir résister à son sort, qui est finalement la mort. En ce qui concerne les anachronismes, ce sont des indices qui montrent qu'il s'agit de l'époque moderne et non pas de l'antiquité grecque. Comme par exemple, le café, le jeu aux cartes, le rouge à lèvres et les voitures. Et on parle maintenant des personnages principaux, en commençant bien sûr par Antigone qui est l'héroïne de l'histoire. Antigone, son père et Œdipe, et sa mère est Jocaste. Elle est la sœur d'Éthéocle et de Polynice qui est mort avant le commencement de la pièce. Et d'Ismène, bien sûr, Ismène, c'est sa sœur. Cette jeune princesse
veut enterrer le cadavre de son frère Polynice, malgré l'interdiction, par le roi. Après, on a Créon. Créon, c'est son oncle maternel. C'est le roi de Thèbes après la mort des deux frères ennemis. Il tient à sa parole et enterre sa nièce vers la fin. Ismène, c'est la sœur d'Antigone. Elle aime la vie et refuse le projet d'Antigone. Et Aimant, c'est le fils de Créon et d'Eurydice. C'est le fiancé d'Antigone. Il se plonge l'épée dans le ventre après la mort de sa fiancée. Après, on a les personnages secondaires. On a premièrement la nourrice. C'est une femme qui a élevé les enfants d'Œdipe. Cette vieille est également appelée Nounou par les filles. Deuxièmement, on a Eurydice. C'est l'épouse du roi Créon qui passe ses journées à tricoter pour les pauvres de Thèbes. Ces derniers auront froid car elle se suicide en se tranchant la gorge après la mort de son fils Aimant. Troisièmement, on a les trois gardes chargés de surveiller le cadavre de Polynice. Ils sont trois, Jonas, Durand et Boudous. Quatrièmement, on a le page du roi. Il accompagne Créon et lui rappelle l'heure du conseil. Et dernièrement, on a le messager. C'est le personnage type du théâtre antique. Il annonce des nouvelles. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.